concours à Green Startup, déjà dans un premier temps, ça m'a aidé à peaufiner les derniers détails de mon projet. Mais le plus important, c'est qu'il faut imaginer que pendant 2 jours, l'ensemble du monde agricole était réuni en un même lieu. Les politiques, les institutions techniques et les agriculteurs. Et en réalité, ça m'a permis d'améliorer mon réseau de connexion avec ces professionnels. Et aujourd'hui, en fait, je peux interagir avec eux un an plus tard. Ben, j'ai choisi ce métier. Premier élément, l'amour de la nature. Et deuxième élément, c'est que l'un des plus grands enjeux de l'avenir sera de démocratiser l'alimentation de qualité. Et je voudrais faire partie de ce défi. Aujourd'hui, mes produits sont disponibles dans les magasins spécialisés agriculture biologique, mais également dans les grandes et moyennes surfaces de la Guadeloupe. Et dernier élément, ben, si on ne sait pas cuisiner, vous avez quelques restaurants, vous pouvez aller vous asseoir et déguster mes volailles en toute simplicité. Je pense que la population devrait faire confiance à sa jeunesse parce que je pense que la nouvelle génération veut produire une alimentation de haute qualité et comme je le disais, ben, notre enjeu sera de démocratiser cette alimentation sur l'ensemble du territoire et pour toutes les classes sociales.